Bonsoir. Eh bien, toute forme de légalisation de la prostitution à Montréal ne fait pas l'affaire de tout le monde dans le milieu. Nous avons d'ailleurs en ligne une personne responsable d'une maison de prostitution. Vous comprendrez que nous l'appellerons par son nom de travail. Bonsoir, madame Lola la Grosse Bouche. Bonsoir. Vous êtes contre la légalisation de la prostitution? Bah écoutez, si ça devient légal, tout le monde va se lancer là-dedans, puis la concurrence, ça finira plus. Vous croyez? Bah on va se retrouver avec des grandes surfaces de prostitution. Vraiment? Comme Prostivigo. Ah ben oui. Le cul de presse. Peut-être, mais... Super Carmen Aval. Mais... Mona l'entrepôt. Écoutez, est-ce que vous... Aval Marthe. Mais croyez-vous pas que... Des affaires de sadomaso, là, comme... Ça va. Bourreau en gros. Ouais, ou ben, ok. Fait dur shop. Mais est-ce que vous croyez... Mazochac. Croyez-vous qu'on va en venir à un contrôle gouvernemental? Ah, oh, moi, je veux pas entrer dans un système de fesses de qualité. Fiscalité. C'est ça, c'est ça. Non, merci. Voilà, c'est toodle-diddle-daddle-dee.